Bon, et comme on connaît que c'est une coutume, selon conviction, selon croyance que vous gagnez pour Saint-Joseph, je crois que moi-même, selon croyance, pas moi, je prie pas que je m'exauce pour que rêve pas capable de réaliser dans tout droité, dans tout ça que moi-même, je remets qui fait de positif dans le pays. Dans ce sens que nous voulons pour que tout le monde croit que la prière sont force dans chaque famille, dans chaque monde individuel. Donc au niveau politique, qui Jean Chambas là, ou même particulièrement accueilli et signature encore dialogue là. Bon, vous connaissez que dans chaque côté, à travers le monde, à côté qu'a fait politique, depuis qu'il y a une crise institutionnelle, une crise constitutionnelle, c'est toujours une attente, c'est toujours un compromis qui peut joindre avec tout acteur politique pour capable porter un déblocage. Même si toutefois que le déblocage là, capable de porter un changement pour le pays, qui est capable de mettre une stabilité politique non avec lui. Mais si accord là, il est capable de porter une autre crise pour le pays, nous-mêmes, nous porter des accords nous, à lui-même. Ça suffit que pour l'Assemblée des députés et ensemble parlementaire, mettez tête ensemble pour nous le bon côté des accords pour que le peuple lui-même ne pas tourner dans une crise qui pire que ça qui était avant. Il y a une question d'élection qui parle d'accord là pour le 26 octobre. Non, élections sont passage obligées parce que nous sommes un État démocratique et nous ne sommes pas capables de prendre. Et pour ça, c'est sénateur, député, magistrat, par décret, c'est aux unes, c'est le peuple là qui peut exprimer, qui peut dire, mais qui est-ce qu'on peut. Ça veut dire que c'est impératif, son passage obligé, il faut que l'élection soit faite dans le pays. Il y a plein de monde qui estime que c'est le président Martelly qui sorti grand gagnant dans le résultat du dialogue. Ça, ça c'est un prétexte, c'est une perception. Même quoi que grand gagnant, c'est la population qui peut gagner. Parce que c'est la population même qui a prouvé le monde à décider pour lui, puisque nous-mêmes, nous sommes prolongement société. Il faut que nous décidions l'intérêt de la population. Merci.